39 projets d'Hollywood autorisés malgré la grève. 39. C'est le nombre de projets cinématographiques qui ont réussi à échapper à l'ombre de la grève. Parmi les heureux élus, nous retrouvons des titres familiers tels que The Rivals of Amziah King avec la participation de Matthew McConaughey. Ainsi que Mother Mary, un projet du talentueux David Lowery dans lequel nous allons retrouver Anna Taway et Michaela Coel en vedette, incarnant une musicienne et une modéliste. Flight Risk, sous la direction de Mel Gibson et Death of a Unicorn avec l'iconique Jenna Ortega et le charismatique Paul Rudd, ont également eu carte blanche pour reprendre le chemin du tournage. Outre les 39 films et séries autorisés à poursuivre ou à entamer leur tournage, le syndicat des acteurs de Hollywood a aussi approuvé certaines productions achevées pour travailler sur les promotions, notamment en vue d'événements et de festivals à venir, dont le Festival de Venise qui débutera le 30 août et prendra fin le 9 septembre. Dans cette sélection figure le film Priscilla qui a réussi à obtenir cette dérogation, car le tournage a eu lieu au Canada avec TCB Productions, ce qui lui a permis d'échapper aux restrictions. De même, le film Ferrari de Michael Mann est aussi autorisé à être présenté.